Good morning, allez, Idan, tu seras aujourd'hui le Luni Shmat Richard Ron Ben Fortune Mazal et Claude Israq Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi des une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Kalim, Perek Zain Mishnah Dalet. Mishnah Hei. Barishona Ayome Mashkenin et Motzeha Ad Sheumevi Nesacheha. Chazrou li Yot Manichin Ota Uborchin. Et Kedou Bet Din Sheyu Nesacheha Bain. Michel Thibault. Une Mishnah qui continue le sujet de la Mishnah précédente. On avait parlé d'un animal qu'on trouvait à l'extérieur du Yerushalayim, entre Yerushalayim et Migdal Eder, et dans tout ce périmètre autour du Yerushalayim, donc, que dans le doute, on supposait que c'était une Behemat Hekdesh. Et on avait appris donc comment se conduire avec cette Behemat Hekdesh. On avait même proposé deux interprétations. Je préfère pour le moment rester sur l'interprétation du Barthénora qu'on avait hier, qui nous disait que, de manière générale, quand tu découvres, quand tu trouves un animal mâle, alors c'est une hola, et quand tu trouves une femelle, c'est un shlamim. Parce que tel était l'usage, la majorité des béhémotes de Yerushalayim qui étaient mâles en korban, elles étaient hola, et la majorité des femelles, elles étaient shlamim, en général, d'accord? Après, bon, on avait précisé plein de petites précisions, qu'il fallait exclure d'autres éventualités, que ça pouvait pas être une khatat, ça dépendait de son âge et tout ça. On ne rentre plus dans tous les détails. Maintenant, il faut savoir qu'aussi, chaque fois qu'on apporte une Ola ou une Shlamim, alors la Torah nous dit d'apporter des Nesachim. C'était dans la parasha de Shlach Lecha, la Torah nous a précisé tous les Nesachim apportés, ce qu'on lit à Rosh Chodesh, Beniskem Chatsiaïn, Yalapar, Roshishit, Aïn, Aïl, Verouvit, Aïn, Kevet, Yain. C'est les Nesachim qu'il faut apporter, c'est-à-dire des oblations de vin, et une oblation aussi d'huile, de semoule avec de l'huile. Alors la Mishnah me dit, Barishona, au début, Hayu memashkenin et motzaeha, on faisait une saisie de biens en fait. Ouais, les mashken, c'est prendre un mashkon, prendre un gage. C'est-à-dire, celui qui l'avait trouvé. C'est-à-dire, si tu as trouvé l'animal Ola, tu as le devoir de l'apporter en korban Ola. D'accord? Comme ce qu'on a pris. Du coup, quand tu apportes une Ola, il faut apporter, selon le cas, si c'est un Shor, c'est Shlosha Esronim. Si c'est un taureau, c'est Shlosha Esronim, il y a la part. Si c'est un Il, il faut deux Isaron. Et si c'est un Keves, il faut un Isaron en oblation. Et donc, maintenant, tu as un devoir de les apporter, puisque c'est toi qui as apporté la Ola. Et donc, tu apportes la Ola, tu dois apporter les Nesachim. Et si tu ne les apportes pas, ben on va te faire une saisie de biens jusqu'à ce que tu vas les apporter. Ad Shumevi Nesachim, jusqu'à ce qu'il va apporter lui-même les Nesachim. Ses oblations, il va en faire don. Maintenant, Chazrou Liot Manichin Ota Uborchin. Du coup, ça a commencé à coûter trop cher. C'est-à-dire, je trouve une Ola, je suis gentil, je l'apporte au Beth Amikdash. Imaginez, vous avez trouvé de l'argent dans la rue, il y a marqué que ça appartenait à la Tzedaka. Vous les amenez à la Tzedaka, le gaba, il vous dit merci, donne-moi toi aussi 1000 shekels. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus le toucher, ça vous coûte trop d'argent. D'accord? Donc c'est ce que la Mishnah me dit. Chazrou liot manichin ota uborchin. Tu trouves une Ola, t'es sympathique, tu veux respecter, tu vas l'apporter en korban, t'arrives au korban, on te dit, tu sais, tu laisses un chèque de 500 shekels, tu dois porter des oblations et des trucs. Les gens, ils ont commencé à, quand ils trouvaient un korban dans la rue, au lieu de la ramasser de la porte au Beth Amikdash, il l'a laissé errer toute seule dans les rues. Du coup, à cause de ça, itkinu bet din. Ils ont instauré le Beth Din de l'époque, que Sheyu Nesachea Bain Michel Tzibour, que les Nesachim des animaux trouvés seront payés, financés par la caisse du public. On est dans Masechet Shkalim, on y revient, enfin, que notre but c'est de préciser qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on gérait avec les 13 caisses qu'on avait là-bas au Beth Amikdash. Donc la Mishnah me dit, ben, une des dépenses qu'on avait pris, que ce qui devait devenir Michel Tzibourg, ce sera toutes ces oblations. Voilà pour la Mishnah telle qu'on l'a expliqué pour le Barthénora, c'est quelque part l'essentiel. Je vous rappelle maintenant quelque chose qu'on a appris hier, qu'on a précisé ensuite, la vraie explication selon la Gemara de Kiddushin, et plus dans Shkalim. Shkalim c'est un Yerushalmi, il n'y a que le Talmud Yerushalmi sur Shkalim. Là on est dans la Gemara de Kiddushin, qui nous précisait qu'en réalité c'est pas que tu trouves la Ola, tu la portes en Ola. Tu dois porter en contrepartie trois animaux et Rachid précise que tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu veux, tu le fais.
Tu vas, t'apportes trois animaux, tu supposes que c'est peut-être une Ola, tu transfères. Peut-être c'est un Shlamim, tu transfères. Et peut-être que c'est aussi un Korban Toda, tu transfères, t'apportes aussi les 40 mains. Du coup, selon cette interprétation, alors là, ça nous pose un grand problème dans cette nouvelle Mishnah maintenant. Parce que, imaginez, tu avais trouvé un animal, je t'ai demandé d'apporter trois animaux. Et avec les trois animaux, il y avait un Toda. Tu n'étais pas obligé de le faire, tu as décidé de le faire. Et tu dois apporter une Toda et tu dois apporter 40 pains. Une quantité gigantesque de pain, on en avait déjà parlé une fois. D'accord? Donc tout ça, tu l'as fait bénévolement. Maintenant, parce qu'on va t'imposer aussi d'apporter aussi le vin et la semoule, là, d'un coup, ça fait une trop grosse dépense qui va te déranger. Il y a une certaine anomalie, en fait, comment interpréter la Mishnah. Le Tiferet Israël parle, il dit qu'il n'y a pas le choix, il faut aboutir à ça. Que. D'accord? Faut aboutir que malgré tout, on a quelqu'un qui nous. C'est comment dire en hébreu? Akash Shavar et Gavagamal. La dernière paille qui a brisé le dos du chameau. Alors le chameau il est en train de porter une grosse charge, il supportait le verre, on a rajouté une petite paille, c'était celle de trop qui a fait qu'il a croulé en fait. Là il a eu plein de dépenses, il a fait bénévolement, il a été gentil. Il arrive au Beth Amikdash, on lui dit hey, t'as pas fini de payer, paye encore. Du coup là il a commencé à prendre des choses trop à cœur, à dire non, si c'est ça, je fais plus. Suite à ça, on a instauré au Beddin. Vous voyez bien qu'il y a une certaine anomalie, il y a une certaine difficulté. C'est probablement la raison, je ne sais pas, peut-être que le Barthénois avait déjà soulevé, que le Barthénois, il n'a pas expliqué la Mishnah selon la Gemara. Probablement, peut-être parce que ça s'arrange mieux comme ainsi. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv, Selah.